Bonjour à tous. Alors, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. j'ai pas trop le temps de. Alors, un, j'ai pas le temps de scraper. Deux, j'ai eu des petits soucis de santé. J'avais des soucis au poignet, donc je pouvais pas scraper. Et pas le temps parce qu'on est. Ben, on a fait des travaux. Donc, on a refait la salle de bain. Je pensais pouvoir scraper pendant les vacances. Mais non. Que des petits ennuis. Rien de grave, mais bon, voilà. La vie, quoi. Donc, du coup, j'ai pas eu le temps. Enfin, très, très peu. Donc, j'ai un échange de prévu avec Véronique. Donc, j'ai commencé. Enfin, la structure est faite. J'ai plein de petites choses à faire. Je ferai après et je vous montrerai. Je ne me mets pas la pression. Véronique attendra. voilà. Et, mais du coup, j'avais envie de faire quelque chose pour un concours. Et j'avais envie de faire du pastel Halloween. Donc, je me suis acheté des bricoles sur Temu pour la première fois. Première fois que je commande sur Temu. Donc, je vais vous faire le petit haut de Temu. Et j'ai commandé quelques petits trucs sur Shein. Alors, j'ai commandé les deux commandes en même temps. Shein, je sais pas comment vous dites. Enfin bon, vous voyez de quoi je parle. C'est arrivé en une semaine. Et Temu, ça a mis 15 jours. Un peu plus de 15 jours même. Donc, à l'origine, je commandais de la déco pour Halloween. Mais j'ai glissé des petites choses pour le scrap. Donc, je me suis commandé, c'est la première fois, du papier chez Temu. Donc, du papier dans les tons de Halloween rose. Je vais vous les montrer. C'est du 15-15. Alors, pour faire ce que je veux faire, je vais pas vous dire quoi. Pour faire ce que je veux faire, franchement, j'avais pas besoin d'un papier super épais et tout ça. Donc, c'est pas très épais. Je sais pas ce qu'il marque. Qu'est-ce qu'il marque là-dessus? Il n'y a rien de marqué, donc je peux pas vous dire l'épaisseur. Mais alors, c'est pas du papier imprimante, mais presque. C'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. L'épaisseur est pas top. Et la même, la qualité, je sais pas comment dire, c'est pas top top. Voilà, c'était pas cher. Donc voilà, donc je vais vous montrer les papiers. Celui-là, je le trouve super sympa aussi. Les deux là, j'aime bien. Celui-là aussi. Ouais, celui-là aussi. Ouais, bon, bah, ça, je voulais un peu moins. Je vais les mettre de côté. Alors, en rose. Celui-là, j'aime beaucoup. Il... Très joli, celui-là aussi. Celui-là, un peu moins, du coup. Je vais mettre de côté les roses. Voilà. Et là, on retourne sur ce qu'il y avait déjà. Ouais, c'est ça. Donc bah voilà, pour du rose, pastel Halloween, je trouve que c'est pas mal. Voilà, et même celui-là, la rigueur. Vous voyez? Ouais, c'est pas mal. Donc voilà, pour ce papier-là. J'en ai partout du coup, c'est le bazar dans le bureau depuis un moment. Là, je vais pas réussir à le rentrer. Voilà. Et l'autre. Alors l'autre, il y en a moins. Ah là, je sais pas combien il y en a. Là, il y en a une petite tripotée quand même. Là, il y en a moins. Il y en a beaucoup moins. Moitié moins, je pense. Le papier est un peu mieux, je trouve. Oh, quoique. Ouais. Bof. Donc là, c'est plus gros les dessins. Ça. Celui-là, il est beau. J'aime beaucoup celui-là. Celui-là aussi. Ouais. Ah, en fait, c'est tous des différents. Ah, d'accord. Nice. Celui-là, c'est le même que celui-là, mais là, c'est un fond rose. Là, c'est un fond blanc. Papiers, ils sont pas mal. Voilà, pour faire du pastel Halloween, là c'est vraiment que du pastel, donc enfin du oui, pastel Halloween, donc c'est pas mal. Voilà, voilà pour les papiers.
pour aller avec les papiers. Parce que du coup, il me fallait des petites choses. Je me suis pris des lots d'autocollants. Et j'ai pris, devinez, un pastel. On va voir si ça va d'ailleurs. Ouais, ça va le faire. Donc là, vous voyez, il y a plein de petits... Oh, il est mignon celui-là. Et je me suis dit, parce qu'il y a ceux-là aussi, même si je ne veux pas le Halloween, je peux le couper. Ah, ça allait bien. Ouais, ça va être très bien pour mettre avec. Regardez. Hop. Il suffit de regarder ça. Un petit mot, une petite araignée. Ouais, applicable. Bon, c'est pas mal. Ou alors ceux-là, vous voyez, je les découpe. Puis je mets ça, une petite citrouille. Ça, on ne le met pas. Ouais, comme ça. Et un petit mot. Ouais, ça va être sympa. Bon, ben voilà. Vous voyez, je vais pas tout... Oh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Oh, j'aime bien celui-là. Ah, c'est top. Donc voilà ce que j'ai pris. Ah, celui-là aussi est bien. Ouais, ça va aller très bien avec les papiers. Je trouve. Je regarde en même temps du coup. Ah, celui-là est top. Donc voilà ce que j'ai pris. Si vous voulez les liens, je ne mettrai pas les liens en barre d'infos parce que en fait, comme je fais tout de mon téléphone vite fait, voilà, je suis un peu ma feignasse. Mais si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous mettrai les liens. Enfin, je vous enverrai les liens. En tout cas, ils sont très jolis. Vous allez voir, j'en ai pris aussi sur Shane. Là, c'est parce que j'ai pris, ils étaient pas chers, je crois que je les ai payés 75 centimes le lot là, il me semble. Le papier, je sais plus. Mais c'est pas cher non plus, peut-être 2 euros. Et il faut faire super attention parce que des fois, vous en avez chez un marchand les mêmes. Pour 2 euros et celui d'à côté, c'est 4 euros quoi. Donc voilà, sur Temu, faut faire attention. Donc voilà, j'ai pris des petits sachets. Alors là, il y a un gros lot, ça doit être 100. Ça doit être marqué. Ouais, je vois pas la quantité. Je ne sais pas. Mais il y en a beaucoup. Ah, tu vois, là. Alors, j'ai pris cela parce que je pouvais. Ah bah. Il y a réussi à en sortir un. Voilà. Je trouvais que si... Ah bah, il y en a plusieurs même là. Je trouvais ça pas mal parce que je trouve que si on fait un Halloween standard, c'est les couleurs. Et si on fait un pastel Halloween, du coup, en décorant ce côté-là, ça fait vraiment pastel Halloween. Voilà. Donc, je trouvais qu'il allait avec tout. Et vous allez voir, j'ai pris les mêmes peut-être. Je me suis trompée. Ah ben, bah, je les ai pris en deux fois. Je les ai chez... je les ai pris sur Shane aussi. Ça, c'est moi, ça. C'est pas grave, hein. C'est orange double. Donc ça. Ensuite, j'ai pris des petits... Oh, bah, c'est double sachet, là. Ah oui. Voilà, j'ai pris des sequins comme ça. Enfin, des sequins. C'est pas des sequins, ça. C'est, je sais plus comment ils appellent ça. Machin acrylique. Donc voilà. Dans les tons, hein, pour aller avec, forcément. Là, j'ai pris. Alors, ça, c'est une. J'en avais pas. Une pince pour les bijoux. Voilà. Pour faire les arrondis. On verra bien. Je m'en suis pris une. Elle était pas chère. Moins chère que sur Shane. Ils l'ont sur Shane. Et... En fait, j'ai comparé les deux sites pour voir. Parce qu'ils vendent, il y a les mêmes produits dans les deux. Non, les feuilles, je ne les ai pas trouvées sur Shane. Mais quasiment tous les produits, ils sont en double. Enfin, ils sont sur les deux sites. Et j'ai pris ce qui était moins cher chez Shane et ce qui était moins cher chez Temu. Voilà, comme ça, j'ai fait un essai. Là, je me suis pris des toutes petites chauves-souris. Vous voyez ? Elles sont vraiment minuscules. Et je trouve ça sympa. Alors, normalement, c'est pour mettre sur les ongles. Mais voilà, moi, c'est pas pour mettre sur les ongles. Je me suis surpris des petites araignées comme ça. Alors ça j'en ai déjà. Mais
celle-là me plaisait particulièrement. Elles sont un peu violines, je les trouve jolies. Et moi, j'en ai plus beaucoup. Donc voilà, il y a les blanches, j'aime beaucoup. Moi, j'ai des noires, celle-là et celle-là, je les ai, c'est sûr. Voilà, celle-là, je les ai déjà. Et il y a aussi les petites turquoises comme ça, je les trouve trop jolies. Voilà, donc j'ai pris les petites araignées. Et ça, je les aime. J'aime bien les mettre, par exemple, un petit fantôme comme ça, une petite araignée comme ça et un petit mou. Tout de suite, je trouve que ça habille. Donc voilà, j'ai pris ces petites araignées-là. C'était un petit lot. Donc, voilà. J'ai pris des perles. J'en ai pris ces chaînes aussi. Donc ça, c'est des perles en bois. Voilà. Les trous sont gros, donc du coup, ça rentre dans un pic. Je vais prendre un peu de lumière, j'ai froid. Donc c'est pour faire des pics. Pour faire ça. Hop. C'est pour faire ce style-là. Donc bah voilà, les perles, elles rentrent. Et j'en ai pris là aussi, mais elles sont nacrées, celles-là. Elles sont super jolies. Je les trouve sublimes. Toutes nacrées, c'est sympa, hein, je les trouve très jolies. Après, voilà, donc j'ai pris des nacrées comme ça et celle-là. Et j'ai pris ça, c'est des gros lots qu'on met par exemple à un album ou un truc comme ça. Donc on met une petite ou une chaînette ou un petit ruban, enfin ce que vous voulez. Et voilà. Donc il y a deux noires, deux blanches, deux oranges et une violette. J'aurais préféré avoir deux violettes. Mais forcément, c'est comme ça. Donc voilà pour ma commande Temu. J'espère que j'ai pas dit de bêtises au début. Temu, ça fait Temu. Et ensuite chez Shein. Donc du coup, erreur de ma part, j'ai pris les mêmes sacs. Ouais, exactement les mêmes. À la nuche. Bah, j'en offrirai dans mes envois. J'ai repris, alors ça c'est des, comme ça là, vous savez on en avait eu à Action, il n'y en a plus, et en fait les blancs j'en ai presque plus, et du coup j'ai repris, en pensant qu'ils étaient blancs, mais en fait ils sont pas blancs, ils sont nacrés, et ils sont plus fins, mais bon, ça va le faire. Hein. Voilà, j'en prendrai la prochaine fois, voilà, vous voyez, ils sont nacrés plutôt, c'est sympa aussi. Et ils sont plus fins. Les autres sont plus... Ceux-là sont beaucoup plus gros. Mais bon. Voilà. Donc j'ai pris ça. C'est pour mettre aux fleurs. Bah, j'ai pris, comme je vous ai dit, pareil, un lot d'autocollants. C'est pas les mêmes. Voilà. C'est pas du tout les mêmes. C'est la même qualité. Mais c'est pas les mêmes. Mais les couleurs, ça va aller aussi, quoi. Voilà, vous voyez. Il y en a qui... Ben, il y en a que c'est les mêmes. Mais pas tous. Celui-là, il me semble que je l'ai vu. Donc voilà. Voilà, il y en a plein de styles différents. Ça, vraiment... Donc ça, c'est les stickers. Hop là. Voilà. Les perles. Donc j'ai pris aussi des nacrées comme ça. Franchement, elles sont sublimes aussi. Alors j'ai rien ouvert malgré que je l'ai reçu il y a longtemps celui-là. Donc il y a des... Ah, je vais l'ouvrir. Je les trouve trop belles. Et le trou est gros aussi. Ouais. J'ai pas regardé les deux. Oui, le trou est gros aussi. Et là, ouais, c'est aussi un gros trou. Donc là, j'avais. Vous voyez, j'avais ceux-là. Là, c'est pas les mêmes. Ceux-là sont plus jolis. Et là, elles sont striées. Enfin, elles sont. Ouais, striées. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Là, celles-là, elles sont rondes. Violette. Là, en strié aussi. En orange. Et là, il y a... oh, il y en a qu'une comme ça. Dommage, c'est un fantôme. Elles sont jolies aussi, celles-là. Voilà. C'est dommage, il y en a qu'une comme ça. Là, pareil, là, j'ai 4 oranges. J'aurais préféré avoir
blanche, violet, comme ça. C'est pas grave, hein. On choisit pas là. Oula ! Des perles. Là, j'ai pris, c'est pour faire des bijoux, c'est des petits fantômes. Voilà. Donc, il y a deux oranges, mais plutôt pastel, deux violets, deux bleus, deux blancs et deux jaunes. Voilà, j'ai trouvé mignon. Voilà. J'ai pris, alors ça c'est de la cire noire, voilà, ça j'en avais pas. Du ruban comme ça, alors j'en ai en plus. Oui, c'est le même que le mien. Ouais. Voilà. Du ruban comme ça. Ça c'est du petite soie Halloween. Voilà. Et il y en avait pas mal de feuilles, il me semble, dedans. Voilà, ça c'est du papier de soie Halloween. Je me dis pour emballer, je trouve ça top. Et ça, je vais vous montrer. Ça, ça fait un moment que je me tâte pour acheter le WiiWare Memory Keeper. Et là, je l'ai vu sur chaîne. Et franchement, vu le prix, j'étais obligée de le prendre. C'est pour faire des nœuds. Donc, alors là, vous avez les explications. Et en fait, hop. Donc vous faites, je sais pas comment. Attends, on va prendre du nœud. On va prendre du ruban. Justement. Et hop. C'est exactement le même. Ouais, c'est exactement le même. Donc comment ils font eux? Ils font comme ça, comme ça. Ah ouais, regarde. Comme ça. Voilà. Alors là, je l'ai fait vite faire. Et voilà. Comme ça, vous avez un bon nœud. Donc, il y a plein de techniques différentes. Vous pouvez le faire en double et tout ça. Donc voilà. Bon, là, qu'ils font avec les fourchettes, avec. Voilà, et vous avez plein de tailles différentes. Vous pouvez faire des grands nœuds, des petits nœuds. Et des très très gros même. J'ai pas serré hein, pour pouvoir garder le ruban. Attendez, je réessaye. Aussi. Donc ça c'est un nœud comme ça. Alors attendez, hop là, comment je fais? Voilà. Et si je veux faire un tout petit? Alors, il est peut-être un peu gros pour faire un petit nœud comme ça, mais voilà. Après, on coupe, on fait correctement. Enfin, bon, vous voyez, mais c'est pour faire. J'ai pas serré rien, mais c'est pour faire des nœuds. Donc, voilà mes achats. Et j'ai payé ça, j'en sais rien, pas cher. En tout cas, pas cher. C'est le but en fait. Donc, voilà, voilà mes achats. Sur chaîne et Temu. Alors Temu, je rachèterai sûrement pas. J'ai acheté de la déco aussi pour ma maison. J'ai acheté un tapis, enfin des bricoles, et je trouve que la qualité, sûrement parce que j'ai pas pris les bons produits du coup, hein, est pas moins que chez Shein, je trouve. Voilà.
Donc, le tapis, j'ai pris sur Temu, c'était quand même beaucoup, enfin, il était moins cher que Shein. Mais en fait, je suis sûre que je l'aurais pris sur Shein. Il était plus cher parce que la qualité était mieux, je pense. Voilà. Donc, voilà mes achats. Bon, je vais ranger tout ça. Je vais mettre mes perles, tout ça. Je vais tout ranger. Et puis, bah, moi, je vous dis à plus tard. Bon, bah, ça, je vais pouvoir en offrir. Hein. Je vais en avoir 200 là. Et puis oui, je vous dis à plus tard bah, dans une prochaine vidéo qui sera sûrement la présentation de ce que je suis en train de faire. Et puis voilà, à moins qu'entre temps je fasse un petit truc d'Halloween pour envoyer, j'en sais rien, on verra. Enfin, bon voilà, bah écoutez, bonne journée à tous, et puis bah, moi je vous dis à plus tard, du coup, dans une prochaine vidéo. Allez, ah non, peut-être la prochaine vidéo, je vous montrerai peut-être ce que j'ai fait en déco d'Halloween, ouais. Je le dis tous les ans et je le fais pas. Enfin, j'y pense à vous montrer. J'avais dit aussi que je filmerai ma salle de bain pour vous montrer. Il ouais, faut que je le fasse. Je prends pas le temps. Enfin, bon allez, je vous laisse. Allez, bonne journée.